Eso. Il m'aura fallu bientôt 48 ans, c'est dans 13 jours, nous sommes le 15 juin, pour résoudre l'équation spatio-temporelle. On a le temps de couer à 33 ans, il paraît. Ce coup-là, on ne m'a pas coué, on ne brûle plus pour hérésie, et puis surtout, on arrête de me prendre pour un con. Il se passe des trucs. C'était bien hier, ouais, on n'a pas le d'espace-temps, on n'a pas les trucs. Vas-y, il y a d'autres dimensions là. Non, non. C'était bien. Après le ciel mon mardi, c'était le yoga le matin. C'était impeccable, sauf qu'il y avait l'embrouille avec Tata. Et du coup, il y a tout à cramer. J'y peux rien, moi. Je peux pas me raconter de conneries. Hein. Tous ceux qui me racontent des conneries ou que je flague, c'est pas de ma faute, je suis envoyé spatial, c'est éternel. Comment tu veux dire ça? Vous avez la carte, mais pas l'entité. J'ai pas la carte, j'ai perdu autant. Plus j'ai l'entité, c'est comme ça. C'est pas compliqué. La Terre, ça devrait être le paradis. Et vous en faites que de la merde. C'est grave. C'est vraiment grave. Un petit potage à l'uranium. Une soupe au Lexomil. Oh, t'as pris ton Prozac? Oh. Il n'a pas marre d'être con. Seul l'esprit du devenir de l'ensemble compte. Matériel, on n'a rien à branler. Il y a de quoi partager pour tout le monde. Les périmés, tout ce qu'on jette, on pourrait faire bouffer la planète entière. Mais vous êtes tarés ou quoi? Allô, réveil! T'arrêtes tes benzodiazépines là, s'il te plaît? Vous arrêtez tout là?